Bonjour, encore une analyse de Kramnik sur le Stonewall avec B6 et fou B7, donc D4, F5, C4, cavalier F6, cavalier F3, E6, G3, D5, fou G2, C6, petit roc, fou D6, B3, dame E7. Donc, juste un petit rappel au cas où vous n'auriez pas vu cette vidéo sur ce coup ici sur D5, fou G2, C6, petit roc. Si les noirs s'amusaient à prendre le pion 1, le C4, la réplique serait tout de suite cavalier E5 qui n'apporte rien, mais vraiment rien au noir, mais passons, c'était déjà vu dans d'autres vidéos. Donc revenons à l'analyse de Kramnik, fou D6, B3, dame E7, A4, donc coup indispensable ici, A5, à la limite presque automatiquement, dès que les blancs jouent A4, jouer A5, hors de question que les blancs prennent de l'espace sur l'aile dame. Donc fou A3, voilà, l'une des grandes idées dans le traitement de la position par les blancs, c'est l'échange des fous de case noire, on commence à savoir maintenant. Fou prend A3, cavalier prend A3, petit roc, cavalier E5, B6, cavalier C2, l'idée de cavalier C2 est de revenir en D3 via E1 pour surcontrôler la case E5, mais ça pose aucun problème pour les noirs. Fou B7, cavalier E1, cavalier A6, aidant à la poussée en C5 est l'une des grandes idées dans ce type de position, éventuellement le cavalier aussi en B4. Donc C prend D5, E prend D5, cavalier 1 à D3, C5. Bon, pour plus d'explications, C5 évidemment c'est évident, la poussée C5 est libératrice puisque ça libère le fou en B7, on propose un échange d'un pion latéral contre un pion central au passage. Donc, et sur E3, tour A, C8, tour C1, cavalier E4, et les noirs sont bien selon Kramnik, ils vont continuer par cavalier B4. Et fois 6, donc voilà, la poussée C5 a été exécutée. En général, c'est bon signe pour les noirs. Voyons quelques sous-variante proposée par Kramnik dans cette même position. Donc revenons à cette position dame 7. Sur dame 7, non pas A4, mais fou B2. Fou B2, vous avez comme coup B6. Dame C1, les blancs insistent pour jouer fou A3. Échanger les fous de case noire, donc fou B7. A3, cavalier BD7, fou D6, dame prend D6, c'est dame A3. Vous avez même Kramnik qui préconise dans ce type de position dame prend A3, cavalier prend A3 et roi E7 avec un avantage noir selon Kramnik. Le roi noir est actif et les noirs préparent C5. Comme quoi l'échange des fous, comme déjà dit par ailleurs, l'échange des fous de case noire n'est pas si dramatique que ça parfois pour les noirs, c'est ce que dit en tout cas Kramnik. Donc maintenant sur fou B2, revenons à cette position ici. Il y a un ordre de coup un peu moins précis, serait petit roc, puisque on aurait le même type de variante, mais le roi noir ne se retrouverait pas en E7 qui est moins intéressant. Qui est moins intéressant pour les noirs. Voyons, dame C1, B6, Kramnik propose B5 comme coup intéressant. Sinon B6, fou A3, fou B7, fou prend D6, dame prend D6, dame A3, c'est le même type de variante que l'on vient de voir, mais on voit bien que le roi n'est pas en E7.
une autre variante ici sur les blancs viennent de jouer à 4 et non pas sur A5 de la part des noirs. Petit roc, hein, je vous dis, à la limite, systématiquement, quand les blancs jouent à 4, jouer A5, et on s'aperçoit que Kramnik propose x3, fou prend, cavalier prend A3, et A5 ici avec un léger avantage blanc, mais rien de grave pour les noirs. Cependant, sur cavalier prend A3, si nous avions cavalier BD7 ici, considéré comme douteux par Kramnik, là, il y aurait un bon avantage blanc avec le coup A5. Donc voilà pour ce complément d'analyse sur... Je pense que ce... Ce doit être suffisant pour cette analyse de Kramnik encore sur la suite B6 et fou B7. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce thème du Stonewall.